nouvelle revue sur les liquides Mister e-Liquid, donc gamme de liquide américain. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un liquide qui me tient beaucoup à cœur, un liquide que j'aime beaucoup. Déjà la réponse, dès avant même la fin de la revue. Mais voilà, le Banana Nut Bread. Donc le Banana Nut Bread, littéralement le pain à la banane et aux noix. Donc c'est un liquide qui à base donc à la base est un liquide donc qui est censé reconstruire un goût de gâteau, de pain à la banane. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est du 12 mg. Donc 12 mg, 33% de VG, donc 67% de PG. C'est la marque habituelle, donc la signature de Mister e-Liquid. Hein. On peut commander autrement, on peut commander dans d'autres proportions. Moi je suis resté sur la base. Je suis resté dans leur proportion à eux pour pouvoir avoir probablement une plus grande satisfaction de leur liquide. Donc je ne parle pas du packaging, j'en ai déjà parlé avant dans les autres vues. Vous pouvez revenir dessus si jamais ça vous intéresse. Mais bon, moi je pars du principe qu'on est là pour parler du liquide. On parle du contenu et moins du contenant. Ça sert à rien. Au niveau de l'odeur, on est pas mal. Alors on sent la banane tout de suite. Une odeur de banane bien mûre. Une banane bien mûre avec une odeur de gâteau, une odeur de gâteau voilà, de gâteau qui sort du four, et puis un peu voilà, on sent enfin la noix, on sent une petite odeur de noix, de noisette, quelque chose comme ça qui ressemble. C'est en tout cas voilà, sentir c'est agréable. Mais la banane est très présente, hein. Faut aimer la banane, la banane mûre est très présente dans le liquide. Hein. Y a pas photo. Donc on va le goûter. Donc pour ça, je l'ai installé dans mon Hammer Clone. Donc dans mon Hammer Clone avec une 650 et un Aspire BDC Divinova. Voilà. Donc ça me permet de tester ça tranquillement et de prendre des grandes bouffées. Alors, niveau vapeur, il y est, pas photo. Niveau heat, 12 mg, il n'y a rien à dire. Je passe directement parce que voilà, niveau heat, c'est correct, c'est très bien. Alors, niveau goût, c'est juste magique. Je ne peux pas dire autrement, c'est juste magique. Ce liquide, il est pour moi exceptionnel. On a un goût de banane, un goût de gâteau, de vrai gâteau. Et ensuite, on sent le goût de la noix. C'est impressionnant, il y a une répartie dans le goût, on a l'impression de manger un gâteau à la banane qu'a fait la grand-mère ou qu'a fait la maman, voilà quoi. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très agréable. Ça pourrait se vaper toute la journée sans fin. Là j'en ai une bouteille de 30 ml, je peux vous dire qu'elle va y passer assez vite à mon avis. Voilà, bon après il faut être logique, voilà, c'est aussi un liquide de chez Mister e-Liquid qui a été primé, qui a reçu des prix dans les salons de la vape aux États-Unis, qui a gagné donc des prix, qui s'est très bien vendu, qui se vend toujours très bien. Et puis voilà quoi, je vous dis rien que ça, déjà ça veut tout dire. Maintenant, au niveau du test, voilà, vous voulez du gâteau à la banane et aux noix, et ben on y est, vous avez un gâteau à la banane et aux noix, c'est très bien, c'est vraiment très bien conçu, c'est le genre de liquide qu'on aime vaper, quand on aime les liquides gourmands, quand on aime les gâteaux, voilà quoi, c'est tout simplement magique. Donc je vous conseille fortement d'y goûter si vous aimez tout ce qui est gourmand, tout ce qui est gâteau. N'hésitez pas, si vous avez un doute, n'hésitez plus, foncez, voilà quoi, mettez ça dans un bon chloromiseur Aspire,
dans un atto, voilà quoi. Faites-vous plaisir parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'être au moins goûté. Voilà. Je sais que c'est récurrent, pour ces liquides-là, je vais souvent le répéter, car effectivement, c'est des liquides qui sont très bien conçus, qui sont très bons. Je pense qu'ils sont étudiés, testés. Et voilà quoi, on voit le travail effectué et on voit le travail qui reste aussi à effectuer sur certains liquides des gammes françaises. Voilà. Pour le moment, c'est le genre de liquide qu'on ne trouve pas partout, il faut recommander aux États-Unis pour les avoir. Bref, on y est. Banana Bread, très bon liquide. Donc, je vais continuer à le vaper et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et une bonne vape.